Mesdames et messieurs, du coup, suite à une discussion avec le public, du coup, on repart du coup sur, enfin, on redécouvre, ouais, ouh, 10 ans plus tard, Slender the Arrival, du coup, qui 10 ans plus tard a eu droit à une mise à jour de fou gueudin en changeant du coup de moteur graphique, de visuel et rajoutant même un chapitre en plus, si je m'en souviens bien. Slender the Arrival, c'est la promesse des vrais développeurs du tout premier Slender dans la forêt avec les 8 pages, du tout premier de base, de créer un vrai jeu Slender. Du coup, ils ont ouvert un vrai studio avec les donations, etc. et tout. Et ils ont du coup créé le jeu Slender the Arrival qui, si je dis pas de bêtises, la suite arrive dans pas longtemps avec un mode multijoueur. Et ça, alors apparemment, ça sera pas sur Slender. Mais ça sera sur l'univers étendu de Slender, donc du coup ça va partir dans, comme le même principe que... j'ai oublié le nom, ce n'est pas... truc Hornet, je sais plus quoi, là, le truc que parle Feldup en ce moment, là... Enfin bref, en fait il faut savoir que le jeu, enfin, le jeu, le personnage de Slender et Annabelle Hornet, enfin je sais plus le truc là, ça n'a rien à voir. Puisque Hornet, c'est un univers indépendant avec ses propres monstres et ses propres légendes, etc. et tout. Et Slender the Arrival, bah, du coup, c'est un peu la tentative de faire, lui aussi, de faire un univers étendu dans le jeu vidéo, du coup, avec Slender et ses propres mobs. Puisque pendant très longtemps, on a cru que c'était Jeff the Killer, la fille qui nous pourchassait. Alors qu'en fait, non. Dans le premier jeu de base, Jeff the Killer n'existe pas. Ce n'est pas du tout Jeff the Killer, c'est du coup la fille qui est possédée par Slender. Et, mais par contre, du coup, qui a l'apparence de Jeff the Killer, mais ce n'est pas Jeff the Killer, du coup. Et apparemment, le prochain jeu qui va sortir, ça va être du coup l'univers étendu en mode comme Marble Hornet, hein, du coup, avec un nouveau mob, un nouvel endroit, un nouvel environnement, du coup, un nouveau lore, etc. etc., etc. Chapitre étendu. Ok. Commencez. Wackside est une ville assez tranquille l'hiver. Cependant. En période estivale, elle accueille une foule de touristes à la recherche de magnifiques randonnées et de festivals charmants. Nous sommes si souvent quittés par notre dévouement, notre amour, notre affection. Par un lien qui nous entraîne sur des sentiers inattendus. Quand vous ferez face à votre solitude et que vous affronterez son, j'ai pas eu le temps de dire, jusqu'où vous mènera-t-il? Wesh, par contre, c'est très lumineux. Personne ne se gare comme ça. Ça commence très bien le jeu. 10 ans plus tard, ils ont pas compris leurs erreurs. Ok. Donc, oui, comment résumer Slender the Arrival? C'était un peu le jeu en vogue à la mode, hein, puisqu'à l'époque, je rappelle quand même qu'à cette époque-là, on n'avait pas encore Final Fantasy Freddy's, etc. et tout. C'était vraiment le jeu qui... Ah oui, quand on marche, il y a un effet de zoom, d'accord, ok. C'était vraiment le jeu qui... Comment expliquer? Que quand on le découvrait, il y avait des petits détails cachés qui surprenait au bout d'un moment, genre par exemple, il y avait des passages. Oui, d'accord, et fier de présenter. Il y avait des passages en mode si on regardait au loin, on pouvait apercevoir le Slender, du coup, on pouvait avoir des petits historiques cachés, etc. et tout. Genre à tout moment, là, apparemment, il y a... enfin, peut-être que le Slender nous regarde comme ça. Mais crachant comme ça, ça va se promener dans les forêts. Ah non, il s'est pas craché. Il a garé sa voiture, c'est pas pareil. Nuance. Nuance, nuance. Ah, par contre, je viens de percuter. Là, on peut faire les VHS. Ne bougez pas. Je sais pas. Oui, c'est moi, Jérôme. Non, je n'ai pas changé. Un peu trop. Mais à 5. Non. Yeah. Oups. J'arrive dans un instant, ne bougez pas. Et merde.
Point, virgule, 2. Ah ! Point, non, virgule. Non plus. Merde. Ah ! Pourquoi le 2 ne marche pas ? Pourquoi ? Non. On va laisser tomber ça. Range. Et zut. Je crois tes flûtes. Le truc ne marche pas. Il a pourcentage. C'est un peu trop. C'est un peu trop. Merci, c'est un peu mieux. Le sender va venir t'aider. Je vous vois dans le chat là. Et zut. Et... Ah. C'est un fameux 3 man. Voilà. Pipi. Pouais, 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 pouais. Ah non mais c'est ça en fait, je suis con, VHS, oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment il va, Weir? Quoi? Non, ça c'est le VHS, c'est pas ça que je veux, c'est en mode VCR. Si. Distord. On va le mettre à 0. Et merde! Vignette 0. Non! 1, 0. Type 0. 0. 0. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il... Attention. Ah, ça me met une grosse tête, donc non. On va laisser comme ça, voilà, c'est bon. Voilà, au moins, on a l'effet VHS et tout. Enfin bref, où est-ce que j'en étais? Oui, c'est vrai. Tender. Comment ça va? C'est déjà bien, nice. Santiano. Attends, mais il y a un truc en plus là. Parce que je rappelle quand même que le principe du jeu, c'était en descente. Et on descendait le long de la forêt pour aller dans une maison. Sur un terrain qui était déjà en construction et tout. On peut zoomer. On peut pas se pencher. Ah si, c'est E. C'est E pour zoomer. En vrai, le jeu a de la gueule maintenant. Tu sens qu'il est vieux, qu'il a 10 ans dans les dents, mais qu'il a refait une petite beauté. Elle est trop belle la forêt. Ouais, en vrai, elle est déjà très belle. Je repense tellement du coup à. Comment il s'appelle, à Markiplier, qu'il était à l'époque, il y a 10 ans, quand il était en mode. Oh, je tue! Je tue! Voilà. J'ai encore le son en tête, quoi. Oh! Merci, je voulais zoomer. Et pourquoi il va en bas de la forêt? Parce qu'on doit aller dans une maison qui est pas très loin. Mais personne ne se gare comme ça. Alors il faut vraiment avoir des freins solides. Et la voiture vole. Oh. Je vais passer pour dire bonjour, je suis épuisé. Mais t'inquiète, c'est très gentil de ta part. Bon, c'est même plus. Alors, je crois qu'il y a un système de piles comme dans Outlast ou alors je confonds. Outlast c'était sorti à l'époque? Frein à main? Non, mais même frein à main! Le truc il est en pente à 90 degrés là! Bien blanc ici. En vrai, c'est bien de chercher
un peu l'environnement, etc. Parce qu'on sait pas s'il est là ou s'il nous regarde. En plus, ça va être bizarre de rejouer parce que vraiment, c'est un nouveau, enfin, c'est un nouvel environnement là, littéralement. Ah, la fameuse maison, elle est là. La forêt est très belle. Brouillard. Et que paf, mais à l'époque, je l'avais vu avant comme ça, donc peut-être il y a peut-être moyen que. Ah non, on peut pas. Il est là, il est dans le puits, c'est lui! Mais oui, non, non, à l'époque, justement, il te regardait déjà, et quand tu zoomais sur lui parce que tu l'avais vu, ben il te. Il despawnait. Tu cherches quoi? Rien du tout, je me balade. La fameuse maison! Charlie. Okay, il y a une ambiance. Ok. Disparu. Oui, cet enfant, Charlie Manson, veuillez pas appeler le 555-3799. Attends, le numéro de téléphone en mode GTRP, quoi. Vous pouvez consulter plus tard à partir du menu principal. Le bruitage est pas mal par contre. Vraiment, le truc est pas mal. Je crois que c'était là-haut, vers cette colline à l'époque. Mais à l'époque, il n'y avait pas autant d'arbres, hein. Il n'y avait pas autant de verdure et tout. À l'époque, c'était pas beau, littéralement. Vraiment, tu sens que les mecs, ils ont vraiment fait du taf quoi là-dessus. Mais où est Charlie? Alors attention, ça va faire peur, parce que là il fait nuit maintenant. Parce que tout le monde ne sait que les mouvements manifestes de l'aurore, c'est que dans la nuit. Pourquoi il speak in English lui? Il remet playing on his wing. Je me rappelle quand je jouais avec Kate sur le palier. Allô? Kate? Mais enfin! Oh putain! Ça, tu vois, ça c'est normal. Kate est seule avec ses gosses et tout, elle n'arrive pas à les éduquer, du coup ils font n'importe quoi, c'est normal. C'est. L'autre jour là, parce que là ça me fait penser à ça, le fait qu'il ait grimpé sur le mur pour dessiner. L'autre jour, il a mis le. Vous savez quoi? Il a mis le toit de la voiture sur le toit de la maison. Eh ouais! Les petits cons, hein! Regardez-moi ça, ça range même pas et tout. Voilà, on leur donne tout ça, ils nous prennent tout ça. Ben ouais, c'est normal. Ah, si je m'en souviens bien, je crois que c'est le passage où il faut chercher la clé ou la lampe torche. On a une ombre? Incroyable. Je m'en souviens pas qu'on avait une ombre à l'époque. Y'a que toi qui travaille à la maison? Peut-être. Joli carrelage. Bah putain, la caution elle va sauter là-haut. Ils m'ont décassé les murs, fatch et le gosse. Qu'est-ce que c'est? Hein? Lire. Cérémonie à la mémoire de Beth Ayers. 18 octobre 2009, 9h, cimetière de Grace Hill. D'accord, ok. Du pire. J'ai une pile. On peut se concentrer sur la lumière? Ah, je croyais. À l'époque, il était là-bas. Hein? D'accord, ok. Excusez-moi.
Attends, mon cœur il tremblait comme la caméra là. Non, mais... Et la porte, là il y a un truc là. Ouais, enfin la cuisine elle est rangée, non? Lampe torche, briquet, batterie, kérosène, cassette supplémentaire, fermez la porte à clé, super. Par contre, il y avait un truc, mais j'ai pas vu. Le son qui devient de plus en plus fort. Nice. Ah, en fait, on est un mec qui est venu aider Kate pour le déménagement parce que sa mère est morte. C'est une feuille. Pas une dame, non? Allô? Ender? Ouais, je m'en souviens, dans la cabane, il y avait un truc de caché et tout. Enfin, il y avait une feuille, un truc comme ça. Merci, je ne sais pas comment te remercier d'avoir fait tout ce chemin pour m'aider. Ça a été assez difficile de vendre dans cette vieille maison. J'aurais dû me douter vers... Tourner vers toi plus tôt, tu n'imagines pas à quel point je serai heureuse une fois que tout sera derrière moi. Je t'aime, Kate. Ah, mais c'est ma meuf en fait, j'ai pas compris. Ça, c'est nouveau. Kate chante, mais c'est la première fois que j'entends ça. Du piano. Ah ouais, t'as raison. Kate, je vais t'accompagner. L'air est familier, mais pas pour moi. Attends, mais c'est moi, on est très petit. Franchement, c'est bien s'ils ont amélioré le jeu. Ah oui, non, mais ils ont rajouté plein de trucs et tout. Donc, 10 nouveaux moteurs, 10 nouvelles opportunités. Et comme ils l'ont expliqué, le jeu a maintenant une vision de ce qu'il voulait faire à l'époque. Parce qu'à l'époque, il pouvait pas. Et du coup, c'est carrément Unreal Engine qui leur a offert le avant, à l'époque, l'exclusivité de certains outils pour améliorer le jeu. Et du coup, en fait, le jeu, enfin, Virival 2, entre guillemets, le 2, la mise à jour, était en production bien avant que l'Unreal Engine 5 était déjà en développement, en fait, je veux dire. Expéditeur, dimanche, blablabla. Merci de m'avoir appelé hier soir, c'est peut-être les radios, mais ça fait plaisir d'entendre. Je suis content d'entendre que Laurent va très bien, elle aussi. Mais bref, à propos de ce dont j'ai parlé, je n'ai pas encore... Les mêmes hallucinations, blablabla. Incroyable. Ok, le copyright. Logique. Ah, 10 ans et pas foutu de corriger ça là. Un bordel. Tu te cacher ou pas? Grand Sky, The Horse, 72 heures, non. Pourquoi il y a des papillons, bordel? Pas un truc à faire dans le garage. Non. T'as de papillon, la con. La radio, la musique, de Kate et toi. Magnifique. En tous les cas, on a la lampe. En année lumière, on a la sono. Kate! Je monte.
Allons loin du long couloir. Et que bâtir en amont. Mais il n'y a plus de lumière dans ce monde? Comment ça se passe? Il est trop con pour allumer. Ah, ça éclaire bien par contre. Fermer la porte, non. Bon. Les fenêtres ouvertes. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis sûr qu'on peut le voir. Une maison comme ça d'infos, mais c'est bon, je pourrais pas y vivre. Est-ce que tu as déjà vu le film, c'est quoi déjà? C'est Hush, je crois. Là, une femme qui est écrivaine et qu'elle elle vit dans une forêt et en fait elle est sourde. Ou elle est... Non. Si, c'est ça. Elle est sourde et il y a un tueur. Le film est trop trop bien. Franchement, le film est vraiment il est incroyable. Excusez-moi. Et tu l'as vu juste avant. Mais non, je l'ai pas vu. J'ai vu un effet, mais je voyais pas ce que c'était. Ouais, il était par là le truc, mais je sais pas ce que c'était. Je veux pas rester un câble pour rien. Oh! Kate m'a fait couler un bain. Trop gentil. Par contre, c'est abusé, quoi. Il y a de la lumière et le mec allume pas les lumières, quoi. Et tu l'appelles et tu sors. Ender? T'es ramassé. Oh, je reconnais ce truc là-bas. Vois pas pourquoi il y a des bugs de zoom des fois. Oh, il était tout là-bas. Alors même sans Slender, je suis pas bien là, tu m'étonnes. Mon petit pauvre. Mon petit père. Oh, il y avait deux bains. Oh là là. Rien. Non, la voiture elle sert à rien. La voiture on peut pas l'utiliser, à moins que ça a changé. J'ai l'impression qu'on est petit quoi. C'est vraiment sympa, Kate, de faire deux bains. Ah, super grave sympa. Kate! Il est. Il y a Senton à le muret. Bonjour! Ah voilà, c'est pour ça. Oh mon dieu, Anna! Kate était devenue starbée! Ah mon dieu! Tricassé. Et pourquoi? Un cri lointain! Ça doit être Kate! Kate, j'arrive! Par contre, il y a des gens qui disaient comme quoi Slender était dans la maison et tout à l'époque. Senda qui demande s'il peut prendre un bain lui aussi. C'est incroyable. Et moi. Faut faire le tour de la maison là. Non, oh, y a un truc. Hey Kate! Oh putain. Les nuits où tu vas retrouver le secret comme ensemble d'aventure. On a appelé la chasse aux fantômes, éclairer les arbres avec nos lampes de torche et on sursautait à moindre bruit. Oh là là, c'est trop bien. Nous avons vraiment une imagination débordante. J'aimerais tant pouvoir remonter le temps jusqu'à cette époque et tout ce qui est. Combien de temps? Ça fait déjà au moins quelques années, non? A toujours été désagréable avec moi, peut-être. Désolé, oublie ça, j'ai besoin de divaguer, vague. Enfin bref, envoie-moi de tes nouvelles, blablabla. Ok. Aller là? Oui.
Wow, Sender. Bonjour! Ce serait pour emprunter votre beurre! Des crêpes! J'ai des crêpes pour les petits! Alors pour le petit! These doors won't open. Mais comment ça? C'est. Non! Allô? Du coup, il faut aller là. Du coup, il faut refaire le tour. C'est par le garage. Et du coup, est-ce que ça a changé ou pas? Non, on peut pas utiliser. Oh, la bouteille quoi! Sur tous les trucs qu'on a vu de toute la maison, c'est la bouteille la plus dégueulasse que j'ai vue du monde! Ah non, je croyais. Ah, mais le faire répéter, non? D'accord, ok. Elle laisse allumer ses phares, mais en même temps, tu m'étonnes qu'après elle se plaigne et tout. Voilà. Ah, pardon! Nuit. Jour. Nuit. Jour. Quand même, faut pas abuser. J'étais persuadé qu'on pouvait le voir. Je suis déçu de ma théorie là. J'étais persuadé qu'on pouvait. Genre là, à l'époque, on regardait dans le vide et on voyait des trucs. Il doit être là, non? Page numéro 3. Bon, ça y est, ça commence. Vous savez qu'on a cet âge, j'ai en pleine énergie. Mon téléphone comporte un étrangement ces derniers temps. Oh tiens, alors j'ai préféré le micro de ma manière. Content de voir un peu. Une explication rationnelle, événement automatique coming, blablabla. J'ai presque aussi recueilli. J'estime que la meilleure option la prochaine fois est de penser à ça. En tout cas, ce que j'essaie de faire, moi aussi, devrait marcher. Ok. Ender? Toujours pas. Qui se souvient de Slendy Tubbies? Tellement que c'était nul ce truc. C'était amusant, je devrais essayer de retrouver Kate. Quoi? Pourquoi c'était amusant? Ah, parce que je suis passé par le toboggan? Oh, vraiment, le personnage quoi? Bah, c'était marrant. Hein. Allez, on va essayer de retrouver Kate. La 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 la! Par contre, le fait qu'on ait une ombre, ça me perturbe. La 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 la. La 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 la. Bonjour madame. Alors si je m'en souviens bien, si on descendait par là à l'époque, on avait carrément un chantier avec un easter egg d'un enfant mort. C'était un fantôme quoi. Du coup là. Ender? Non. Et par contre, on peut descendre par là. Attends, une question. Est-ce que ça veut dire... On peut passer par là. En fait, j'ai envie de le voir. Je sais, je suis persuadé qu'on peut le voir. C'est ça qui me perturbe, parce que je suis persuadé qu'on peut le voir avant. Alors, si on passe par là, peut-être. Parce que je crois que le générateur, en fait, c'est le chemin principal. Et que là, du coup... Ouais, il y a un truc là-bas. C'est ce qui me semblait. Voilà, lui aussi, c'est un easter egg. Le jeu est beau, putain. Quand même, il faut le dire. Oh mon dieu! Les oiseaux! Eh non! Ça fait peur!
D'accord, ok. Quoi? Excusez-moi! C'est pas une heure pour sortir, monsieur! Ah, je le savais! Et oui, personne ne me croit! Ils me traitent de fou! Je le savais! Je l'ai vu! Je le savais qu'il était là! Ah, mais là! Enfin, monsieur! Mais alors? On se téléporte maintenant? Alors? C'est dégueulasse, par contre, hein? Il n'a pas changé, hein. Et du coup, oui, mais du coup, le pour le beurre, il avait disparu encore. Oh. Ah, mais il est là-bas. Eh, monsieur, et pour le beurre, fait comment? Hein? Excusez-moi. Oui, Charlie, encore, oui. Il s'est re-TP. On joue à cache-cache? De toute façon, je suis très fort à ce jeu, hein. Monsieur, vous avez vu l'heure? Il est 10h du soir. T'as pas de nocturne là. Attends, mais c'est tout un chemin maintenant? Ah ouais? Mais en vrai, imaginez, je le vois pas pour la première fois. J'aurais pas eu ça, je pense, hein. Quoi, c'est tout radioactif là? J'ai le paqueté, mais en fait j'ai un effet filtre en mode. Ah oui! On est de retour! Ah ben alors! Monsieur! Pourquoi il était privé ici? Faut partir, hein! Du coup, ça c'est la fameuse maison. En fait, ils sont cons d'avoir laissé cette maison, quoi. La bésophilie, là, monsieur. En fait, je sais même pas quel âge on a, quoi, parce que... Moi, j'ai l'impression qu'on est petit, quoi. Mais par contre, ici... Je vais pas y aller, parce que je sais... En fait, si on y va, on meurt instantanément. Mais je crois qu'on est censé voir le gamin. Ou alors, il l'a enlevé. Rentre. Mais non, sinon je meurs. Rentre. Non. Sinon je meurs, ça sert à rien. On n'est pas là pour mourir, on est là pour découvrir le jeu. Ah mais non, je sais qui c'est. Ah, vous êtes là pour les travaux en fait, c'est ça? Oui, c'est bien ce qui me semblait. Ben oui, il est là pour le chantier. Ben oui, j'avais complètement oublié. Ah, suis-je bête. Allez, revenez, hein, vous inquiétez pas. Hein. Le fait qu'il se téléporte comme ça, ça me fait tellement rire. Monsieur! Monsieur, vous vois, hein? Voilà. Bah alors? On finit les travaux ou pas? Tu meurs instant, en fait, t'as un gamin. En fait, ça sert à rien parce que dès que tu rentres dans la maison, tu ne peux pas faire machine arrière. Et t'as un gamin qui te chope et qui te rompe sur le cou. Et ça te fait recommencer tout le chapitre. Enfin, tout le chapitre. C'est avant que tu rentres dans la maison, du coup, c'est avant que tu trouves la lampe, etc. et tout. C'est trop long, c'est trop chiant. Il est où? Blender? Je suis contre-maître, c'est pas très homologué tout ça. Putain, mais oui, c'est tellement ça en fait. C'est quoi cette lumière, au secours? La vague. Il est où? Il était là il y a 2 minutes. Oh. Faut pas avoir peur, hein. Mais ouais, non, sinon je l'aurais fait, hein, découvrir une maison, mais vu que je connais le jeu et que je sais que ce qui se passe à l'intérieur. Ah, ben oui, monsieur! Eh! Hey, faut finir tout ça rapidement, hein! C'est très long, là! Hein? Fais comment, là? Cette manie de se téléporter, là! Mais ouais, non, du coup, c'est bien ce qui me semblait ici, c'est vraiment un cul-de-sac qui sert à rien à cet endroit. C'est vraiment un endroit qui sert à rien, littéralement, dans le jeu. Je crois qu'ils ont rajouté ça pour une mise à jour d'Halloween. Il y a très longtemps, hein. Mais bon. Pff. Mise à jour pour avoir un screamer gratuit, c'est pas ouf, quoi.
Oui, bon, je m'en vais, c'est bon, j'ai compris. Il sera moins payé, c'est ça, ouais. Vous avez permis de construire? Attends, mais théoriquement, on peut le rejoindre là? Ah non, je suis peur, je croyais que c'était beaucoup mieux. Hein. Mais non, mais non. Est-ce qu'il y a moyen? Oh non, il y a un mur invisible! Mais non, mais le droit d'auteur. Ah, mais Mine, tu débarques au bon moment! J'ai le droit, même si je peux sender, si je joue du sender, je veux pas qu'on me voit à la caméra. Coupez-moi ça! DALS, c'est fini? Hein? DALS, c'est quoi ça? Le parc Darkside, pardon. Darkside. Danse avec les stars! Ah! Tout ce que nous regardons sur cette chaîne, en fait. Danse avec les stars. Même si Pierre connaît le truc, moi je suis vraiment à la ramasse. Excusez-moi! Contrôleur des impôts. Trouver. Oh mon dieu, trouve-moi Lorraine, non! C'est quoi ce truc comme MJ? Alors, à une époque. Attends, il y a écrit quoi? Et pour moi, pourquoi est-ce que j'ai pas écouté? Il avait raison, il a dit qu'il arriverait à l'aide, besoin de CR, ils ont connu. Ben voilà. C'est qui Lorraine? Ça doit être moi Lorraine. Autrefois, les graffeurs défiguraient librement les parcs avec les taches et couleurs incohérentes. Mais le taux de vandalisme est depuis fortement chuté. Les responsables des parcs attribuent cette baisse à l'instauration de mesures et j'ai pas eu le temps de lire. Attends, mais c'est ça le début? Mais non, le début, on arrive dans un parc. Ah, mais c'est ça! Ah, mais ça a grave changé! Pas mal! J'aime! Du coup, bah, c'est le jeu basique hein, de Slender, voilà. Les gilets de ce. Oh putain! J'en profite, Mine! J'en profite que je sois là pour te montrer ça. Regarde que ce que j'ai eu pour 3 euros. Ah là là! Je suis tellement content! Ah là là! Je suis trop content! Ah! Super! Ah! J'adore la magie! Je vais caner! Ah mon dieu! J'ai envie de pleurer quand je vois ça. J'ai payé ça 3 balles. J'ai mal au cœur. J'ai payé ce jeu 3 balles. Il était en promotion. J'ai envie de pleurer. J'ai pété un câble. Il coûte combien ce jeu de base? 15 balles! Canet. Tu me diras quand il jouera, je veux pas louper ça. Bah écoute, il est 1h du matin. On fait ça et peut-être potentiellement fait le tuto. Ouais. Ah, parce que là on fait le coup des pages. C'est quoi? J'ai gagné un succès en. Ah mais non, la scène, pardon. J'ai ramassé un succès en récupérant ça, d'accord, ok. Objet ajouté à votre album, blablabla. Donc du coup, là, le but de tout Slender que tout le monde connaît. Va descendre par là. Comment tu prononces? En English? Canoë en English? Kayak? Une page sur 8 de trouver. Oh mon dieu, ça commence. Oh mon dieu. Ah, j'ai trop peur. Au secours, c'est Slender. J'ai trop peur. Alors, si vous voyez les vibrations que vous voyez à l'écran, là, c'est en fait mon personnage qui tombe. C'est pas Slender. Je crois que ça se prononce Canouze. Canouze.
Bon, allez, les enfants, aidez-moi parce qu'on va pas passer 500 ans sur le. Sur les pages. Oh mon dieu, non! J'ai trop peur! Anna! Kessender! Il est encore là? Ah non. J'ai eu peur, mais non. Faut pas avoir peur. C'est qu'un monsieur tout maigre avec un visage blanc. Et un petit costard cravate, hein, faut préciser. Lender? Ah, une page. 2 pages sur 8. Oh mon dieu! Mais ça veut dire que ça va faire de plus en plus peur si on avait la 8ème page? Oh mon dieu, non! Vous, je suis Zender. Salut! Alors que 3 minutes avant, excuse-moi, vous avez du beurre? Mais pourquoi il vibre autant? Il est con, lui! Mais comment tu fais pour pas avoir peur en vrai? Mais en fait, le problème c'est que c'est Slender. Quand tu connais le principe en mode, il faut juste que tu cours et c'est tout. Parce qu'il fait pas les screamers, etc. Il te suit au loin. Et c'est que dans les endroits un peu serrés, là tu te dis, bon, il est derrière moi, etc. Mais en vrai, quand tu connais le personnage, ça fait plus peur. Hein. Et surtout, je suis avec vous. Ah non, c'est derrière. Merde, fais chier. J'ai jamais vu ça. Lender? Ok. Mais oui, non, en plus, jouer à un jeu d'horreur en stream, c'est moins effrayant que d'y jouer seul, j'ai l'impression. Juste un jeu et une simple légende urbaine, et c'est Slender comme tout bouffe là. Tu le connais, c'est de l'eau, oui, voilà, c'est pas effrayant quoi. C'est pas un jeu à screamer en fait de base. En fait, déjà, il faut se dire. Est-ce que c'est un jeu à screamer ou pas? Du coup, la réponse est non, c'est Slender. Slender via Evil, c'est pas un jeu qui était pensé pour être un jeu à screamer. À part le chapitre 2 où t'as quelque chose qui te poursuit derrière, oui, là, c'est un peu plus flippant. Mais en vrai, non, le jeu ne fait pas peur dans l'ensemble. Hein. C'est juste un jeu qui te surprend. Parce que j'ai peur du noir, genre, vraie phobie. Enfin, c'est un jeu de voir souvent, t'es dans le noir, donc voilà. Oui, non, mais voilà, c'est. Rien que ça, tu vois, l'idée de... Oui, c'est un jeu qui est dans le noir, du coup, ça va faire peur. Non, pas forcément, vu qu'il y a plein de lumière et tout, tu comprends le principe, blablabla, etc. Après, il y a plein de trucs à contrer, t'inquiète pas. Hein. Attention, je dis pas que ça fait pas peur, tout court. Hein. Mais, 3 pages sur 8. Mais, tout le monde est sujet à sa propre peur, hein. Là, j'ai peur de me perdre. Parce que je sais que la forêt est très dense. Et très cousue. Par contre, la forêt est belle, hein, comparé à 10 ans, la forêt est très belle maintenant. Ah, le champ de bénisse, faut aller là-bas, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Interdit aux boissons, etc. Ah ouais, mais il n'y a pas d'emplacement, fais chier. Et merde. Par contre, l'éclairage, il faut qu'on en parle. Hein. Oh! Une page. Bon, le champ de blé. Le champ de blé. Ah, champ de blé. Un champ de blé. Ah, il faut aller là-bas aussi. Un champ de blé. Cette musique en fond, quel enfer. En vrai, à l'époque, ça faisait très très peur. Hein. Ça, je confirme par contre. Hein. Aujourd'hui, peut-être que je fais le kéké, mais en vrai, à l'époque, c'est bien flippant. Merde, il est où? Ender? Ah. Merde. I'm gonna sweep. Au lieu de la créature, chacun sait pas, mais c'est quoi? Il est pas devant. Oh, chandelier! Il faut aller où là? Oh non, il est là! Tu vois? Il est rentré par Next, c'est ma peur à moi, c'est Zender, mais il jouait, me fait. Ne m'invite pas bien pour le lieu. Ah oui, non, par contre. Je me chie dessus! N'écoute que ma voix!
Après, attendez, si le son est trop fort, par contre, je le baisse. Hein. Ben voilà. J'ai un peu baissé. Parle-moi de tes peurs. Parle-moi, je te vois. C'est comme ça qu'il faut appâter Slender. Faut que tu te dises que c'est un feat avec James et c'est tout. Hein? Il est devant? Mais on voit rien que cette lumière de d'Unreal Engine là. Par contre, ils ont abusé sur la technique, les mecs. Hein. Ah, ça y est, les mecs, ils se sont dit, hé, on a un nouveau moteur graphique. Ouais, on va le montrer. Ok, on met tout le paquet. Mais pourquoi ça tremble? Je comprends pas. J'ai ma manette qui vibre. Ah. Ah oui, il est là. Ma... Girl is sweet. Attendez, parce que là on a récupéré la feuille. En plus, je crois qu'on a sprinté limite. Ah oui, il est encore là. Tu vois, rien que ça. Le fait que tu fasses des petits contours, etc. et tout, tu sais comment il va interagir le truc au bout d'un moment. Et il faut qu'on fasse le tour. Non. Juste se prêter du beurre. Oui, c'est ça qu'on faisait depuis tout à l'heure. Genre, on l'a vu apparaître en haut de la colline et nous t'en mode. Alors, monsieur, les travaux là, il faut tout finir là. À partir du moment où t'arrives à trouver le... C'est littéralement Harry Potter, hein, ce que je suis en train de te dire. Littéralement Harry Potter. Si t'arrives avec l'armoire, là, je sais pas comment il appelle ça, là. À partir du moment où t'arrives à trouver la parade et à le rendre moins crédible, genre Cthulhu, tu vois Cthulhu dans la vraie vie, je pense que t'as peur. Mais toi, tu te dis, ouais, Cthulhu, c'est rigolo comme nom. Ben voilà. Je sais que je suis une pipette, mais non. Non, je suis mal. Je suis en calcul mon BPM. En vrai, j'aurais dû mettre le BPM moi aussi. Oh, mais arrête! Il est à droite. Bonjour! Ah, la citerne d'eau. Page. 6 pages sur 8. Quoi? Non, 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 non! Mais non, mais non! Hein? Allô? Hein? Attendez, de quoi? On est déjà au chapitre 2? J'ai encore ma lampe. Il est sympa quand même, Slender. Il me laisse la caméra et ma lampe. Oh, la forêt, elle est belle. Les premiers crêpes, monsieur. Mais par contre, c'est bizarre. Je m'attendais pas à cette interaction-là. Je pensais que j'allais mourir, en fait. Et du coup, là, c'est littéralement le chapitre 2, là? Vraiment? Donc, du coup, le chapitre 2, c'est dans l'énorme usine. Enfin, l'énorme usine, l'énorme... Puisque c'est un endroit où il y a les pierres là. Je pensais aussi, ouais, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est ça, c'est l'endroit. Ah, c'est Kate! C'est ça, c'est le nom de la fille que. Bah, du coup, celle qui était dans la maison, c'est Kate, celle qui nous poursuit. Carrière, merci. Clairière ou carrière? Non, clairière. Oui, mine. Mine, c'est mieux. Mine. Père pioche. Très musical ce soir. À tous les employés, oh, après la fermeture de ce dimanche, bref. Numéro 6, ok. Numéro 10, bonjour. Et là, par contre, ça va être le passage chiant. Que de mémoire, c'était chiant à l'époque. Il m'a donné une idée. Ah, t'inquiète pas, moi j'en ai déjà une aussi. Il va me demander du temps. C'est-à-dire que quoi, t'inquiète pas, moi je. La commande de mine elle arrive dans pas longtemps. Demain elle arrive. Demain, quand tu viens sur mon stream.
vous expliquer que ça c'est nouveau par contre, je connais pas. Excusez-moi, il y a quelqu'un. Là, celui des cathédrales. Hein? Oh putain, d'accord. Oh, oh, oh. Excusez-moi, madame. D'accord. Oh non, je suis enfermé. Je vais bien, Kate. Les bois sont bien. Les bois sont beaux, viens voir. Je viendrai te trouver pour que tu le vois. C'est magnifique, Kate. Super. Et du coup, ouais, là, ça va être le passage chiant du jeu. Excusez, non. Récupérer. Oh, trop de l'or par contre. Putain. Oh, j'ai pas eu ça. Là par contre pour le coup je suis pas bien. La porte elle est ouverte, oui. Attends mais on voit que dalle par contre. Alors je vous explique, si on voit Kate une fois je quitte le jeu. Mais ça a ouvert toutes les portes. Je crois. Y'a pas genre une musique quand elle nous court après? La 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 la. La 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 la. La. La 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 la. T'en rien. Ah mais je viens de percuter qu'en haut à droite c'est le temps de... Non 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 non. Non non non. Je ne veux pas travailler. Mais oui du coup le... en haut à droite c'est le temps de la VOD. Du coup c'est parfait. Attends mais elle est où Kate là? Elle est pas censée débarquer et crier dans tous les sens? Kate! Écoute-moi bien! Mais dis pas ça, mais c'est vrai, le truc, le niveau était trop chiant à l'époque, je vois pas pourquoi il l'a enlevé aujourd'hui. Pourquoi je regarde moi? Non mais de toute façon on va couper. 50 minutes de VOD c'est bon. C'était juste pour marquer le coup vu que ça fait 10 ans que le jeu est sorti. À moins que il faut faire ça. Et ouais, non, à l'époque c'était trop chiant. Kate, elle était, elle courait dans tous les sens, elle avait aucun moyen de la faire disparaître, etc. Deux générateurs. Je crois que c'est elle. Kate. C'est elle. Kate. Ah mais s'il y a la musique, c'est-à-dire qu'elle est là, c'est ça? Kate. On t'attend. Moi, je veux juste savoir si elle a changé physiquement ou pas. En vrai, à l'époque, on croyait vraiment que c'était Jeff the Killer. Elle marche, là. Là, on est censé la voir, là. Kate!
Kate. Y a pas moyen de l'allumer, enfin d'appeler, je sais pas. Kate. Kate. Mais on l'entend, elle est là. Kate. Oh Kate. Toujours en vie. Non mais. Là, on peut pas avoir peur, on sait qu'on la cherche. Moi, je voudrais juste finir là-dessus. Ah. Kate? Kate! Elle est sans. Je sais qu'elle arrive et que je suis prête. Mais c'est le principe. Attends, mais comment tu peux avoir peur si tu sais qu'elle arrive? Parce que là on l'attend, hein. C'est ça le principe, hein. Là on l'attend juste, hein. Mais elle fait quoi en fait? Elle est pas censée nous tuer? Elle fait pas peur, mais non! Bah, moi je m'en souviens à l'époque, c'est beaucoup plus effrayant que ça, mais là. Bon. Bah, on meurt pas? On n'a pas de dégâts? On a rien? C'est nul! Ma foi. Je suis déçu. Genre vraiment, je m'attendais à un truc de fou. Gilly, gilly, gilly. Totalement, c'est ça. T'aimes pas. Extra. Ça, c'est les albums, blablabla. Je vais te chatouiller. Ouais, je suis déçu. C'est le jeu, mais ouais. Moi, je remets les images de Markiplier qui jouait à l'époque. C'était quelque chose, hein.